Bonjour, je suis aujourd'hui avec Leïla, coach en cuisine orientale de tousmescoachs.fr. Alors, elle vous montre aujourd'hui la recette d'un plat idéal pour manger après une petite soupe en entrée, un roulé de viande aux œufs. Regardez bien. Pour faire le rouleau de viande aux œufs, il vous faudra de la viande hachée, des œufs durs, du fromage râpé, de la chapelure, de l'ail écrasé, du coriandre moulu, de la paprika doux, du sel et du poivre. Pour commencer, il faut mélanger la viande hachée avec les épices, le fromage, l'ail et la chapelure. Un peu de coriandre. Un paprika doux. Du sel. Et du poivre. Après avoir tout mis ensemble, il faut malaxer bien la viande avec la chapelure, les épices. Voilà, il faut que ça soit bien mélangé, que ça rentre bien dans la viande hachée. Après avoir préparé la viande, il faut bien l'étaler. On peut faire ça au rouleau hein, aussi. Aplatissez bien la viande hachée de façon à avoir une épaisseur à peu près de 2 cm. Après, on prend les œufs durs et on les met au milieu. Et j'enroule. Bien enrouler et bien fermer les extrémités surtout. Et notre viande est prête à être mise au four. Pour cuire notre rouleau, il faut le mettre dans le papier alu, bien l'enrouler hermétiquement, bien fermer les extrémités. Le mettre dans un moule avec un peu d'eau pour que ça cuit au bain-marie au four. Et maintenant, il faut le mettre au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Après 30 minutes de cuisson, notre rouleau est prêt et on déroule le papier aluminium pour qu'on puisse le trancher. Et maintenant, on procède à la découpe. Et ben voilà, notre plat est prêt. Je vous conseille de l'accompagner soit avec des légumes, soit avec une petite sauce tomate ou de la salade.